bien. Salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Twin Saga. La dernière fois nous avons donc réussi à vaincre les rats Yaru justement et nous en savoir plus sur les fameuses ruines qu'on recherche. Et on a été attaqué du coup par une des servantes de Ruby Star qui est bien trop forte pour nous à l'heure actuelle et qui s'est enfuie justement parce qu'on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Du coup là on doit aller retrouver Éléonore, donc on a Cathy qui nous a appris la maîtrise du rôdeur, donc l'assassin. Donc c'est une nouvelle classe qui m'a été débloquée du coup, qui est plutôt sympathique, j'ai hâte de l'essayer un jour, puisque franchement ça m'intéresserait vraiment. Donc là on va retrouver Éléonore. Vous repérez la silhouette d'Éléonore au loin et l'appelez, elle se fige. Sapristi, vous avez crié sans retenue et la surprise est totale pour Éléonore. Qui sursaute l'air terrifié. Ah, Miss Flamme, c'est vous. J'ai bien cru que c'était un monstre. Ça va pas de me faire peur, une peur pareille. Une main sur la poitrine et Éléonore tente de retrouver son calme. Après votre départ, j'ai consulté les archives du village. J'y ai découvert un lien entre les ruines et l'arbre de vie. Elle tord les branches de ses lunettes tout en vous parlant. Selon la légende, un mois sacré habite l'arbre de vie. Seuls ceux qui reçoivent sa bénédiction peuvent pénétrer dans les ruines. Hélas, le mois sacré a déserté l'arbre de vie. Je suis parvenu jusqu'à cet endroit, ensuite en suivant la trace de son essence. Vous réalisez soudain que l'oiseau géant dont vous parlez vous a parlé Riton est probablement le mois sacré, et vous en faites peur à Éléonore. Quoi? Quelqu'un a capturé le mois sacré à dessein? L'étonnement se lit sur son visage. Dans ce cas, il faut sauver le mois sacré, et vite! Si ces larmes divines que vous recherchez se trouvent dans les ruines, vous aurez besoin de l'oiseau. Et Éléonore ayant déjà creusé le sujet, vous lui demandez si elle sait comment sauver le mois. Voici un appareil magique qui permet de détecter les sources de mana. En suivant le mana à la trace, nous devrions peut-être retrouver le mois. Éléonore exhibe un objet en forme de disque. Malheureusement, ce n'est pas le seul oiseau du coin. D'autres plus agressifs me pourchassent chaque fois que j'essaie de suivre la trace du moa sacré. Pourriez-vous chasser ces oiseaux féroces afin que je puisse retrouver la trace du moa sacré? Allez, on va s'attaquer à des piafs maintenant. Allez. Allez. Pourquoi tu me le vises pas? Allez. Hop, désolé davantage pour le bruit de fond. Vous devez peut-être sûrement entendre la cloche de l'église qui sonne. C'est que j'ai mon Félix d'ouvert. Du coup, ça s'entend. Donc désolé, je lance. Allez, hop, on massacre, on massacre, on massacre. Moi j'ai pris ça, mais est-ce que les mecs sont allés? Ça vraiment. Bon, normalement oui, mais bon. Allez, il nous reste 4 à affronter. Donc comme j'ai dit dans l'épisode précédent, il sera sûrement un peu plus court celui-là parce que le dernier a fait 22 minutes, c'était pas prévu du tout. Du coup, il va sûrement être un peu plus court pour compenser. Merde, bon, ça c'était pour toi, je vais t'attaquer. Bon, on va s'en occuper.
Voilà. Retournons voir Eleanor. Génial. Je n'y serais jamais arrivée sans vous, Miss Flamme. Le mois sacré a filé vers le nord-ouest, mais on peut encore le rattraper. Eleanor consulte son appareil. Allons-y, Miss Flamme, en route vers le nord-est. Marissa a l'air de bonne humeur. Chercher les traces du mois sacré. On est parti. Vu les plumes géantes, je suppose que c'est par là. Après, c'est peut-être un décor, hein, parce qu'il y en a que là. Le moi. Qu'est-ce que vous voulez, vous? L'homme vous regarde approcher avec méfiance. C'est l'oiseau que vous voulez, même pas en rêve. Je l'ai, je le garde. Vous pensez quand même que pas que je vais vous le donner. Votre regard se pose sur l'oiseau, ce qui ne vous... qui ne semble guère plaire au marchand. Cette fois, vous allez trop loin. C'est vraiment la pire chose. Éléonore, lorsqu'elle voit la blessure du moi, se met à pleurer. Quoi? Ça? Moi? De quoi? Pardon, oui, c'est le mien, je vous dis. Qui êtes-vous? Et pourquoi avez-vous capturé ce moi? Cet oiseau mérite votre respect et pas votre cage. Si vos sales manières... Ni vos sales manières. Marissa fut... Si Giro... Jethro, doux regard, pardon. Il y a un nom là con. Je suis marchand, voyez-vous. Un oiseau de ce format, ça vaut quelque chose, pour sûr. Et je ne fais pas dans le caritatif. Alors, si vous voulez, il va falloir payer. Libérez-le immédiatement. Cet oiseau n'aurait pas... N'est autre que le moi sacré de l'arbre de vie. Libérez-le, je vous dis, ou vous le regretterez. Je m'en moque, qu'il soit sacré, dites. Je l'ai attrapé et maintenant il est sacrément à moi. J'ai reglousse grassement. Si je vous le donne pas, vous comptez essayer de me le prendre? Giro fixe Éléonore, attentivement curieux de sa réaction. Certains pouvoir négocier sur... Certains de pouvoir négocier avec Giro ou lui demander ce qu'il pourrait le convaincre. S'il est sacré, s'il est si sacré que ça, votre moi, il va me rapporter gros. À moins que vous soyez prêt à faire un petit peu de trop. Vous demandez à Giro ce qu'il entend par là. Si vous parvenez à éliminer des scarubis et à me ramener le rubis, on pourrait faire affaire. Giro se tait un instant. Quel que soit l'objet de ses pensées, vous pensez qu'elles n'ont rien de bonne, de bien honnête. Nous sommes complètement dominés, Miss Flamme. Je vais garder un œil sur lui pendant que vous chargez d'éliminer ces insectes et de ramener les rubis. Et Honor, dans sa bienveillance, semble vouloir éviter de recouvrir la force contre un vieillard, si bête et méchant qu'il soit. Vous hésitez, puis décidez de partir à la recherche des rubis. Mais quel sale type! Franchement, c'est vraiment un sale type, ce gars. Bon, allez, hop. Allez, hop. Pour amener des rubis, donc faut que je les drop. Pas garanti, quoi, 100%. Allez. Allez. C'est vraiment du bourrinage en fait, des notes de touche par rapport à l'autre côté. Bon. Nickel. Allez, j'en ai encore 4 à récupérer. Ça devrait être bon après. Allez, plus qu'un dernier. Allez, viens là, toi, le petit dernier.
Il y en a un autre qui sera bien. Nickel. Vous donnez les rubis à Gerto. Vous jetez un regard rapide. Jetez un rapide coup d'œil à Eleanor qui ne paraît peut-être pas dans son assiette. Ok. Vous demandez à Eleanor ce qui ne va pas. Eleanor montre sa gorge du doigt. Comme si elle avait. Si elle était soudainement muette. Attention, Miss Flamme! Vous retournez pour faire face au marchand. Mais celui-ci s'est transformé en mage noir et s'apprête à vous attaquer. Ah, le fils de. Wow, what the fuck. Allez. On va se le faire. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Tandis que la mage noire. Le mage noir gît à terre vaincu, et le nord tous à n'en plus finir. Il m'a lancé un sort de mutisme. Désolé, j'aurais dû en faire plus attention. Et le nord s'est finalement ressaisi. Voilà qui m'apprendra à vouloir jouer la jouer gentiment. J'aurais jamais dû laisser avoir par ce charlatan. On va prendre celle-là. Il n'a pas l'air en pleine forme. Marissa observe le moins emprisonné dans la cage magique. Il a dû en baver. Il faut ouvrir sa cage. Donnez-moi un coup de main. Je ne pense pas qu'on y arrivera en forçant. Heureusement, de nos jours, on a la magie. Observez et prenez-en la graine. Oh merde, il s'enfuit. Attendez, hop, j'ai un truc que je peux fusionner. Le mot sacré n'a pas l'air assuré, ne semble pas avoir du tout confiance. Ok. Hop, attendez, on va utiliser mes trucs. Est-ce que j'ai toujours pas de niveau? Si. Hop, on va le mettre ça du coup. Alors, je sais que j'en avais une mieux. Du coup, j'en ai eu une mieux, c'est-à-dire celle-là. Ah, c'est plus la chaleur, d'accord, je comprends, on n'est pas. Ça peut dégager, du coup. On va faire ça. Fusion. Très bien. Voilà, une chose de faite. Suivant. Ok, voilà. Bon allez, on va voir Corbeau. Qui c'est qui c'est encore Corbeau? Après, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode parce que je vois le temps qui défile, j'avais pas vu. Hop là. Croix, le moi vous regarde avec méfiance depuis le sol. Croix, le moi sacré apparaît très affaibli. Il est salement touché, il faut s'occuper de ses blessures sans tarder. Et Eleanor entame un sort de soin. Mais cela, il me faut des pierres d'énergie. On en trouve sur les ombres lins.
Il y en a dans les parages, elles redonneront des forces au mois sacré. Mais nous ferons ça du coup la prochaine fois, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à partager, ça me ferait super plaisir. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, le lien de mon Utip est dans la description. Si vous voulez me suivre, vous pouvez y aller avec Twitter et Instagram. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon Discord, ils sont tous, c'est tout dans la description. Et pour ceux qui viennent de me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde!